Dans le JT culturel du Plessis-Trévise, nous allons vous parler de la venue de Renan Luce, de la réaction des Plesséens et les dates à ne surtout pas rater dans l'agenda culturel du Plessis-Trévise. Partons à la rencontre de Frédéric Buteau qui va nous parler de la venue de Renan Luce le 6 juin prochain. Renan Luce, on a bloqué la date il y a à peu près plus d'un an. Alors les places sont en vente depuis septembre, il nous en reste beaucoup à vendre parce que c'est un spectacle pour l'instant qui marche moyennement. L'espace Arlette et Jacques Carlier est un complexe sportif qui sera transformé en salle de concert pour la venue de Renan Luce le 6 juin. Renan Luce n'est pas passé au Plessis-Trévise, non, c'est la première fois qu'il vient. C'est un peu une tête d'affiche, ça clôt un peu notre programmation culturelle. Donc c'est vrai que c'est toujours bien dans une ville comme la nôtre ou dans notre programmation d'avoir voilà, quelqu'un qui est connu, c'est plutôt positif. Après avoir visité la salle Arlette et Jacques Carlier où se produira Renan Luce le 6 juin prochain, partons à la rencontre des Plesséens pour recueillir leurs réactions sur la venue de Renan Luce. Au Plessis-Trévise, le 6 juin, Renan Luce ? Oh, je suis trop contente, je ne savais pas du tout. Renan Luce, ça c'est un truc, c'est quand même de la bombe quoi. Il n'est pas sorti de Star Academy lui ? C'est un peu la star de l'année qui passe au Plessis-Trévise. En bref, allons voir les autres événements qui se passent au Plessis-Trévise. Pour les amateurs d'exposition, allez faire un tour au Château des Tourelles où a lieu l'exposition Paysages abstraits du 29 avril au 31 mai. À la médiathèque Jacques Duhamel, un spectacle interactif pour les tout-petits aura lieu le samedi 30 mai. Une exposition sur Frank Zapata et le Val-de-Marne vous propose également une médiathèque numérique. À l'espace Carlier, retrouvez Renan Luce le 6 juin. L'espace Paul Valéry vous propose une pièce de théâtre, Appelle-moi Olympe, le vendredi 29 mai. Merci à tous d'avoir suivi cette incroyable JT culturelle. Nous espérons vous voir nombreux la semaine prochaine et d'ici là, culturez-vous bien. Partons à la rencontre de Frédéric. Trottoir ainsi par terre. Où se produira le... Putain, attends, commence. Ouais, bah si tu donnes pas le micro, tu vas pas entendre ce que je dis. Vas-y, refais. J'ai reçu une lettre, blablabla, c'est trop mignon. Je suis déjà allé voir Laurie. Renan Luce, le 6 juin prochain, partons. Non, on recommence, j'ai bugué. Renan Luce, si tu m'entends, mon numéro c'est le 06-72. Cinquante-quatre. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise.